Jésus est en marche et il faut courir pour le rattraper. Il y a ce jeune homme, ce jeune homme qui a cherché Dieu de tout son cœur, de toute son âme, pendant toute sa vie. Il s'avance, il se prosterne en signe d'adoration, il est irréprochable, il a trouvé Dieu par la force de sa foi, par la force de son application et de sa persévérance. Et il sait qu'il peut se présenter sans aucune honte devant Dieu. Ce qu'il ignore, c'est qu'une chose lui manque. Il le pressent, il ne sait pas le nommer précisément, mais il a compris qu'il n'est pas encore entré dans la vraie vie, qu'il lui reste un pas à faire. Alors il interroge, Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph. Est présenté par le frère Dominique Joseph. Le jeune homme riche désire recevoir la vie en héritage. Tel est le drame de, de cette âme. Le royaume que Jésus annonce, le royaume que Jésus inaugure n'est pas un bien, il est un don, il ne s'acquiert pas, il se reçoit. Et en ce sens, certainement, le jeune homme riche est très éloquent pour chacun d'entre nous. Pour une part, nous considérons la vie de sainteté comme la récompense suite à la soumission à une liste de prescriptions. Si je me conduis bien, si je fais ce qu'il faut, si je prends au sérieux les commandements, alors je serai récompensé par la sainteté. Cette petite voix nous habite tous, plus ou moins, plus ou moins profondément. Mais en soi, la question du faire est inappropriée. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais ça n'est qu'une conséquence. Nous parlons d'amour. Et justement, parce qu'il est l'amour, Jésus se laisse toucher par la générosité de ce cœur maladroit, mais sincère, qui s'ouvre à lui, et qui toute sa vie a investi toute son énergie pour plaire à Dieu. Jésus pose son regard sur lui et se prend à l'aimer. Jésus pose son regard sur lui pour lui révéler de quelle manière il est aimé pour qu'il connaisse par ce regard le chemin de la conversion qu'il cherche à tâtons. Il invite son disciple à une relation personnelle, il lui ouvre les chemins de l'amour. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Il faut lire jusqu'au bout. Jésus ne donne pas un commandement supplémentaire, il ne dit pas au jeune homme "vends tout ce que tu as, ça servirait à rien de tout vendre, à quoi bon Non. Jésus lui dit comment avoir un trésor dans le ciel. Tant que nous sommes dans la logique de faire des choses conformément à la religion afin d'obtenir une récompense, notre trésor est sur la terre, dans l'observation des commandements, dans l'attachement à sa famille, dans les biens matériels. Mais il faut entrer dans une dimension nouvelle. Ce ne sont pas ces biens, ce ne sont pas les richesses du jeune homme qui sont un obstacle au royaume. Le psaume le dit bien, si vous avez des richesses, N'y mettez pas votre cœur. Les biens ne deviennent un obstacle au royaume que lorsqu'ils procurent l'illusion d'une plénitude, d'une autonomie, quand ils conduisent à mettre sur un même pied l'amour des sécurités matérielles, l'amour de ses parents, l'amour de Dieu. Et pour recevoir la vie éternelle, il faut être en manque, il faut attendre de Dieu seul qu'il nous comble. Telle est la pauvreté qui donne d'ordonner nos attachements en fonction de leur importance réelle. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre. Débarrasse-nous de toutes nos richesses. Nous voulons vivre avec l'audace de ceux qui ne comptent que sur toi. Donne-nous la force de ton esprit. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.